Salam alaikum, bonjour et bienvenue à tous. Très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose un gratin au reblochon. Très bon gratin. Une idée de mon amie Sabrina. Merci ma chérie, gros bisous ma belle. Alors pour les ingrédients, vous allez avoir besoin juste de quelques pommes de terre, quelques oignons, fromage reblochon, une gousse d'ail, sel et poivre, c'est tout. Avant de commencer, merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer dans l'eau avec la peau. On les retire à mi-cuisson, entre 5 à 8 minutes par exemple de cuisson. Entre-temps, on coupe les oignons en lamelles et on les fait revenir. On coupe les pommes de terre en dés et on les rajoute aux oignons en sel et en poivre et on fait revenir légèrement. On arrête la cuisson au bout de 10 minutes. Je retire la croûte du reblochon avant de le couper en tranches. On fait préchauffer le four à 180 degrés. Frotte le fond du moule avec une gousse d'ail dégermée, on met une première couche de pommes de terre oignon, pose le fromage et on recouvre du reste de pommes de terre sur lesquelles on pose les tranches de fromage restant. Et on met au four pour une durée qui varie entre 15 à 20 minutes ou jusqu'à ce que le dessus soit bien gratiné. J'ai prévu du blanc de poulet pour accompagner notre gratin, mais ça reste juste une suggestion. En tout cas, c'est un très bon plat hivernal. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle recette. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao.